Yo les amis, c'est Bikey. Alors aujourd'hui, petite critique de la série The Penguin, enfin Le Penguin, avec Colin Farrell. Déjà, première chose, ça fait très plaisir de revoir Colin Farrell, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu jouer, on va dire dans un rôle récurrent. On l'a déjà vu, hein, aperçu dans des petits rôles à gauche et à droite. Mais depuis mon film culte qui est Fun Game, voilà, on l'a plus vu, à part dans des remakes de merde, on l'a plus vu pendant quelques temps, et là ça fait quand même vachement plaisir de le revoir dans cette série là. Là au moins il a quand même un rôle assez récurrent et tout, donc j'espère que la série va pouvoir se développer au-delà d'une saison, peut-être 2, 3 ou 4 saisons. Mais il y a un truc qui me chagrine un petit peu. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça se passe dès le début du premier épisode, au moment où ils expliquent les événements donc, qui vont nous amener dans cette série. Donc les explosions et tout, un terroriste a fait sauter la digue en fait, de Gotham City. Et là, on nous met des plans d'archives en fait, hein, qui ne proviennent absolument pas d'une fausse ville, parce que Gotham, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville factice, elle n'existe pas. Bon, c'est une ville qui est retirée un petit peu de New York et tout, hein, c'est un petit mélange de New York et d'autres villes. Mais à la base, ça n'existe pas. Et ici, on nous fout des plans d'incrustation, des plans réels, en fait, de villes inondées et tout. Et vous allez voir, on montre même le quartier des riches qui a été préservé. Mais regardez bien, ça ne colle absolument pas avec l'univers de la ville de Gotham. La ville de Gotham est une ville ultra sombre, ultra violente, ultra sale. Et vous allez voir les images d'archives qu'ils ont mis, c'est n'importe quoi. De Gotham, et tandis que le bilan ne cesse de s'alourdir. Épargnés par la catastrophe, et ce sont les zones les plus pauvres de Gotham qui ont été les... Voilà, ce plan-là, comment ça me sort déjà littéralement de la série. Déjà, l'image est beaucoup trop propre, beaucoup trop lisse. Alors, comme je vous l'ai dit, Gotham est une ville très, très, très sombre, très sale. Même en journée, on sent le... On ressent vraiment la pesanteur de cette ville qui est ultra dangereuse. Et ici, on nous montre des plans ultra magnifiques, à limite Fiber Wicca, tu vois, Wicca 100 VPS, tout ce que tu veux. Et on montre les baraques des riches. Alors déjà que les baraques des riches, tu me diras où elles sont, parce que même les baraques des riches, elles sont pourries, elles sont dégueulasses, elles sont sales et tout. À part peut-être le manoir de Bruce Wayne, et encore même le manoir est hyper impressionnant et sombre et tout. Et là, on nous sort des images ultra propres et tout, donc c'est... Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Ils auraient éventuellement pu reprendre des plans des anciens films et de Batman et tout ça pour montrer, enfin pour illustrer ça. Puis là au fait aussi, on voit aussi quand ils annoncent le quartier des pauvres et tout. Oui, certes le quartier est un peu plus sale et tout, et on voit toute une ribambelle de tentes et tout ça. Bon ben les sans-abri forcément qui ont perdu leur appart. Mais même ça dans Gotham on voit pas ça. Même dans les anciens Batman où la ville était mise un peu à sang et tout, d'où tu as déjà vu des tentes liées comme ça tout au long. Il faut arrêter un peu quoi. Quand vous faites une série sur une série culte ou même sur des mangas, enfin des comics cultes comme Batman, comme le Joker et ainsi de suite, les gars respectez un minimum la trame de l'histoire quoi. Là c'est incohérent quoi. Éventuellement c'était peut-être éventuellement été filmé à Détroit. Hein, peut-être, hein, je sais pas, je connais pas trop bien les États-Unis pour ça, mais pour moi c'est incohérent, déjà ça. Alors j'espère que le restant de la série va être un peu mieux travaillé, parce que vous allez voir les plans d'après, on passe du jour à la nuit là, tu vois, c'est n'importe quoi. Et voilà, ici, comme vous voyez, là on arrive sur un plan assez large de Gotham. Vous voyez pas une différence, non? De quartier et tout, d'ambiance. On passe d'un quartier limite ultra haut de gamme à un quartier digne des bidonvilles de je sais pas où, mais bon voilà. Bah, ouais, ça commence déjà mal, hein. Franchement, je vous assure que ça commence déjà très mal. J'espère que le restant de la série sera un peu plus fidèle fidèle aux comics et aux autres films aussi, parce que bon, là c'est déjà très mal barré. Enfin voilà, je voulais juste partager ce petit détail avec vous, voir un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ces plans d'incrustation qui ne sont pour moi pas du tout réalistes par rapport à l'ambiance de cette ville mythique. J'espère franchement que la série sera beaucoup mieux par après, voir un petit peu le jeu d'acteur de Colin Farrell. Bon, j'ai confiance en lui, normalement ça devrait être pas mal, mais voir un petit peu le déroulement donc de l'épisode numéro 1, et on verra bien s'il y a d'autres incohérences dans cette série. J'espère que non, parce que ça fait un petit moment que je l'attendais. Ça fait presque 2 ans que je suis au courant qu'il planche sur cette série-là. Et donc j'espère qu'elle sera à la hauteur de mes attentes. On verra bien. J'ai des craintes quand même, mais parce qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, mais on n'est surtout pas à l'abri de très mauvaises surprises. Donc on verra ce que ça va donner. Mettez-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Sans spoil évidemment. Et dites-moi, mettez-moi une note, tiens, de 1 à 10 par rapport à cette série, par rapport au jeu d'acteur et ainsi de suite, à l'ambiance, est-ce que l'ambiance est bien retranscrite et tout. Mettez-moi une petite note donc de 1 à 10 et évitez les spoils, ce serait très gentil à vous. Sur ce, je vous laisse, c'était Bikey 187 et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.